Bienvenue à cette grande édition d'actualité. Troisième jour des concertations nationales, les délégués à ces assises n'ont rien eu d'autre à faire ce mardi, si ce n'est que recevoir les kits contenant les documents de travail, entre autres le discours du chef de l'État, le règlement d'ordre intérieur, mais également ils savent désormais dans quel groupe de travail ils devront exercer durant la tenue de ces assises. Les travaux en groupe peuvent donc commencer, mais pour certains délégués, la machine semble un peu grippée et espèrent donc que la distribution de ces kits va accélérer les choses. Je vous propose ici de suivre quelques délégués au micro d'Alain Beaumont. On vient de nous donner les médicaments pour dégripper la machine, justement, parce qu'on doit avoir les outils qui devaient être mis à disposition par le secrétariat technique. Bon, vous savez, on était au départ 700 délégués. Les listes se sont ouvertes, puisqu'on est à la cohésion nationale, donc c'est sans exclusive. Il lui fallu que le secrétariat technique s'adapte à cette contrainte. Bonhomme, malin, ça va aller. Je pense que le plus important, ce n'est pas la précipitation, mais c'est d'arriver à des conclusions qui vont permettre au pays de retrouver la sérénité qui était toujours le sien. Et dans ces documents importants, tout alors est balisé. Lorsque les délégués vont s'imprégner du contenu du règlement intérieur, ils vont comprendre que les travaux vont se faire très facilement parce que dans ce document, le règlement intérieur, il est prévu comment on va fonctionner au niveau des états généraux, comment on va fonctionner au niveau de la plénière pour éviter des dérapages. Je crois qu'il y a encore des petits problèmes d'organisation qui, je l'espère, vont s'arranger très rapidement parce que de toute façon l'ordonnance du chef de l'État est claire, c'est 15 jours, au maximum une prolongation de 5 jours. Donc si nous perdons déjà les 4 premiers jours sur des questions d'intendance, des questions logistiques, alors qu'il y a des sujets politiques éminemment importants qui devraient être débattus, ça commence à frôler la désorganisation et très rapidement j'ai bien peur qu'il y ait une sorte d'exaspération. Nous souhaitons simplement que dans les jours qui viennent, les choses soit améliorée.